Bonjour, bonsoir tous les amis, comment nous et bienvenue dans la vidéo aujourd'hui. À côté, nous allons apporter tout ça qui a dominé l'actualité football là pour côté équipe Paris Saint-Germain. Il est qualifié, mes amis, pour une troisième fois dans l'histoire pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Nous allons venir avec résumé goal là pour quitter une rencontre là et pourquoi pas réaction à la presse dans tout le monde là sous qualification si là. Nous parlons tout avec l'équipe Chelsea qui a joué demi-finale contre l'équipe FC Porto. Et mais définitivement, Porto arrive à imposer Lyon goal à 0 avec un très bel goal de Taremi, mais quand même qui pas arrivé qualifié. On va venir avec réaction à la presse dans le pays Portugal et pourquoi pas dans le pays l'Angleterre pour vous. Aujourd'hui, à la prale, ça qui est avec demi-finale entre Real de Madrid et Liverpool. Nous parlons de qui ça la presse aime l'a dit et pourquoi, mes amis, l'équipe FC Barcelona qui est dans la planifier là pour prendre Erling Haaland. Dans le pays d'Italie, il y a une lutte acharnée entre l'équipe Inter de Milan avec l'équipe Juventus de Turin pour qu'on joue service Moïse Kin qui s'est attaquant l'équipe Everton prêté dans l'équipe Paris Saint-Germain. Hein. Et nous avons toujours été dans le pays d'Italie avec Cristiano Ronaldo qui a supposé quitter l'équipe Juventus de Turin selon le journal ça pour aller dans le pays d'Angleterre dans l'équipe Manchester United là, et pourquoi pas Paris Saint-Germain qui est vraiment intéressé ensemble avec lui également. C'est une vidéo qui vient tout ça qui a dominé l'actualité football là avec résumé goal en apprenti pour tout petit n'a pas de plus de détails pour. Et mes amis, avant que nous rentrions dans le continent européen avec la Ligue des Champions, contre Kayafa également, l'équipe Akaya Lien qui était en déplacement dans le pays Mexique pour affronter l'équipe Cruz Azul là. Et bien, deux suivantes défaites de 8 goals à 0, mes amis, équipe Achelois lui-même, lui prend avec Cruz Azul. Après que le match a été fini, 0 goals partout, et bien, dans le match retour là, mes amis, et bien, équipe Akaya qui prend un promenade de santé dans l'équipe Cruz Azul là, 8 goals à 0, et un résultat comme décevant pour le club Achelois. Donc, quitter la Ligue des Champions dans la zone contre Kakafla pour nous tomber dans la Ligue des Champions en Europe. Mes amis, côté équipe Paris Saint-Germain, mes amis, il est qualifié le malgré une défaite de 1 goal à 0 face avec Bayern de Munich. Dans le match à l'aller, il y a 3 goals à 1 et Messagin fait donc 3 goals partout. Dans le match à l'extérieur, il a fait plus de goals et Messagin balle qualification pour les demi-finales. Une troisième qualification durant toute existence du club Paris Saint-Germain. Bon, côté par le journal, l'équipe limitée à la une, le cri du cœur. Au terme de match étouffant, le Paris Saint-Germain a fait tomber le Bayern tenant du titre. Il accède pour la troisième fois de son histoire aux demi-finales de la C1 où il retrouve le vainqueur du Borussia Dortmund face à Manchester City. Toujours dans le pays de la France régionale, le Parisien qui mettait à la une énorme. Après le Barça au tour précédent, le Paris Saint-Germain a éliminé hier soir le Bayern de Munich tenant du titre. Encore deux finales de la Ligue des Champions. 3-2 à l'aller, 0-1 au retour pour l'équipe de Neymar et Mbappé. L'aventure continue. Une autre statistique qui jouait en faveur de l'équipe Paris Saint-Germain depuis 2016 à 2017. Chaque équipe qui toujours éliminé Bayern de Munich est toujours champion. Une autre statistique qui bat le titre là avec Paris Saint-Germain, c'est que Liverpool était joué finale en 2018 face avec Real de Madrid et mérité perdu en 2019 et devenu champion. N'a pas bloqué en 2020, équipe Paris Saint-Germain qui fait finale face avec Bayern de Munich. Et mais définitivement, est-ce que Anessa va pas le champion? Donc mettez opinion dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Paris Saint-Germain va remporter le titre là à Anessa? Et bien dans le pays d'Allemagne, bon côté par le journal Bild, il mettait à la une. Le Bayern de Munich lui sorti malgré la victoire. Le Bayern de Munich qui était fait que un goal à 0. Donc c'était le résultat ça qui était gagné dans la finale année passée. Mais définitivement, malgré la victoire, ça donc il arrivait éliminé dans les quarts de finale. Réaction sur match, ça n'a pas arrêté seulement dans le pays la France avec le pays l'Allemagne, mais quand même dans le pays l'Italie, journal papier aux axes gaz de sport, limité à la une, le Paris Saint-Germain fait la fête. Et bon, côté par le journal Mundo Deportivo dans le pays l'Espagne, limité à la une, que champion l'y éliminé à Paris. Et bon, côté par le journal Mundo Deportivo, encore une fois dans la version ça, limité à la une, il y a 12 défaites pour l'équipe Paris Saint-Germain. Il rappelle que mes champions d'Europe là, mes amis, qui c'est Bayern de Munich, l'y KO face avec Paris Saint-Germain. Lucien Barra qui était capable de paraître inaperçu dans le match, mais c'était célébration Neymar Junior avec Leandro Paredes devant Joshua Kimmich. Il faut connaître que Kimmich avant le match, il a fait connaître que l'équipe Bayern de Munich l'a qualifié parce que c'est la meilleure équipe que Paris Saint-Germain dans le match. Allez, il a prouvé ça. Mais mes amis, qui te nous rappelle tout que unique goal dans la rencontre, il a été marqué par ex-Paris Saint-Germain qui s'est Choupo-Moting lui-même qui a mis le goal ça de la tête. N'a pas pour que lui-même tout qui était marqué dans le match. Allez. Et mes amis, moi, juste avant que nous venions plus loin, quittez-moi poser nous une question. Est-ce que nous te songé pour nous mettre un like en bas vidéo? Si tu oublié de faire ça, mes amis, mettez un like en bas vidéo. Kounia, ça va vraiment encourager nous porter plus de vidéos pour vous. Et pas oublier de suivre ensemble avec nous, invitez-vous pour cliquer sur le bouton de la vidéo à Kounia pour vous abonner et activer la notification pour ça chaque jour pour recevoir tout ça qui a dominé l'actualité football là avec résumé goal. Demi-finale qui te mette face à face Chelsea avec équipe Porto en un match avec Chelsea, te gagne 2 goals à 0. Et bien, te gagne un gros goal que tu as remis te marqué dans un rencontre là. Au côté par les journal ça, il fait connaître que c'est adieu en grand. Mais goal ça, qui était vraiment un goal épique sur le journal ça, on va retour acrobatique et mes dragons malgré ça, ils éliminé. Toujours sur réaction ça, dans le pays Portugal, le journal record lien qui mettait à la une les dragons, ils étaient bah, tout ça, ils étaient capables. Il fait connaître qu'ils ont fait adieu là avec honneur et pourquoi pas de la classe.
Toujours dans le pays Portugal, qui joue au Jogo lui-même qui mettait à la une que goal ça que Taremi fait dans le match là, donc il était doué vos deux goals. Mais tellement goal ça lui était belle, journal là qui traitait goal ça de un œuvre d'art de Taremi. Mais fait connaître que goal ça qui était arrivé trois temps dans le rencontre là qui pas de capable changer rien puisque le match aller et l'équipe Chelsea qui était reposé là 2 goals à 0. Mais quand même journal là qui fait connaître tout et maintenant rencontre là tu as un petit bad bouche entre Thomas Tuchel avec Sergio Conceição lui-même qui s'est entraîné équipe FC Porto. Et bien dans le pays l'Angleterre, tout le monde sait pas même puisque journal Salien qui fait connaître que Porto était monté sous bicyclette pour faire référence avec goal bicyclette ça que Taremi était fait. Mais quand même l'équipe Chelsea qui qualifiée pour les demi-finales. Et pour rappel, Thomas Tuchel qui qualifié pour les demi-finales deux fois consécutifs. Et bon côté par les journal ça, il fait connaître que Anfel full anglais. Mais il fait référence avec match aujourd'hui qui va gagner entre Liverpool avec l'équipe Real de Madrid. Si Liverpool est arrivé imposé et pourquoi mes amis qualifié pour les demi-finales, il va le croiser avec l'équipe Chelsea. Le bail qui apparaît vraiment difficile, mais quand même, bon côté par les journal ça, il fait connaître que Chelsea est quand vraiment fort. Mais Chelsea a tenu bon et ça le mettait à la une pour faire connaître que Chelsea était vraiment là, Kimbe Frame face avec l'équipe FC Porto pour te qualifier pour les demi-finales. Et mes amis, sans perdre du temps, on allait pour nous voir comment goal ça a été un très bel goal de Iranien, c'est Taremi qui a marqué pour l'équipe FC Porto. On a toujours été dans le pays l'Angleterre avec une autre bague qui a fait actualité puisque le journal Salem lui fait connaître que l'équipe Tottenham Hotspur a gagné fixé sous Nuno lui-même pour venir remplacer José Mourinho dans l'équipe ça. Après défaite 3-1 face avec l'équipe Manchester United là, et bien en pile spéculation à venir sous Avenue Mourinho dans l'équipe ça, et bien nous avons fait connaître que c'est Nuno Espírito Santo, notre portugais qui a entraîné l'équipe Wolverhampton qui a pris l'équipe Tottenham Hotspur là. Le journal là, l'épine pour faire connaître que Lévy lui-même, Daniel Lévy qui c'est nous avons dit président de l'équipe Tottenham là, et bien il a gagné un gros jet fixé sous Nuno Fernandes. Il était vraiment un fanatique de entraîneur si là. Mes amis, nous parlons qu'on a payé l'Italie avec le journal Gazzetta dello Sport qui mettait à la une très bonne nouvelle pour le monde football là. Et pourquoi mes amis, ils ont vraiment espoir. Le journal là qui fait connaître que dans le match Italie face avec Turquie pour Euro 2021, il y a 17 500 monde qui vont assister. En effet, le gouvernement a dit oui avec la proposition si là. Il y a gagner monde dans le stade là, mes amis. Donc, ils ont affaire de 25% monde. Donc une très bonne nouvelle pour le monde football. On a toujours été dans le pays l'Italie avec une page Mercato puisque le journal Tutto Sport li mettait à la une Moïse Kine mais qui a une bataille entre la Juventus de Turin avec Inter de Milan pour cap offrir un international italien. Actuellement prêté par l'équipe Everton dans l'équipe Paris Saint-Germain mais définitivement vraiment intéressé deux cadeaux dans le pays l'Italie. L'équipe de Milan a gagné 4 joueurs qui ont pisté et une ladeur c'est à Moïse Kine. Mais quand même Paratici lui-même fait de Lyon priorité pour qu'il ait mené l'équipe Juventus de Turin. On a toujours été dans le pays l'Italie, toujours avec page Mercato à côté. Casio Mercato lui fait connaître que la Juventus et Ronaldo mais Casa lui presque réglé. Et bien selon le journal ça, Cristiano Ronaldo de sortie dans l'équipe Juventus de Turin et Melika a rejoint l'équipe Manchester United là. Le journal a même fait connaître qu'il y a un échange entre Paul Pogba avec Cristiano Ronaldo. Mais quand même, journal là qui souligne tout et qui parle si jamais lui est vraiment été en embuscade pour qu'il suive de près et pour qu'il position internationale portugaise. Mais feuilleton Cristiano Ronaldo qui actuellement lancé dans la presse. On a toujours été dans feuilleton Mercato avec journal Sportling qui mettait à la une Kun Aguero à bas prix. Il fait connaître que FC Barcelone vraiment intéressé avec international argentin. Mais quand même, Cécile t'a accepté pour qu'il vraiment payer Lyon prix qui vraiment bas avec situation économique que le club a traversé actuellement. Mais quand même, journal là qui fait qu'on est toute la journée, tout ce qui vraiment intéressé et pourquoi pas qui vraiment entrer dans la lutte là pour qu'il y ait un free tête international argentin. Mais quand même, journal là qui convaincu que Sergio Kun Aguero lui est vraiment intéressé pour qu'il y ait joué dans le canoe. On a toujours été dans le même feuilleton Mercato ça avec Erling Haaland qui passe suspendre, fait parler en pile depuis le jour que l'a fait qu'on est que et papa est allé en Espagne. Définitivement, journal ça qui mettait à la une le plan Haaland. Mais qui va se faire vraiment intéressé ensemble avec ta même qui te fait qu'on est Haaland, c'est pour aller en priorité dans l'équipe ça, elle prend référence dans l'équipe FC Barcelone. Grande question par exemple, comment la faire référence si Lionel Messi t'a supposé être dans l'équipe ça? Est-ce que ça veut dire que Lionel Messi prend quitter l'équipe là? C'est une grande question que moi m'a posé. Mais quand même, je suis là qui fait qu'on est que l'équipe FC Barcelone attend un an encore côté prix Haaland pour baisser, mais définitivement pour acheter les menels dans l'équipe FC Barcelone. Mais feuilleton Haaland n'a pas arrêté seulement en Espagne puisque dans le pays l'Angleterre, il y a Daily Mail qui mettait à la une que Bayern de Munich vraiment croit là que pour battre Manchester City avec tout l'autre club pour qu'il ait acheté international norvégien. Mais s'il arrive à rester dans l'équipe ça jusqu'en 2022, l'équipe Bayern de Munich là qui vraiment croit c'est lui-même qui pourrait l'acheter. N'a pas beaucoup, il y a plusieurs clubs qui sont intéressés ensemble avec le Real de Madrid, Manchester City, Chelsea et pourquoi pas FC Barcelone et Bayern de Munich qui entrent dans la lutte là. Et mes amis, nous parlons qu'on y a avec le journal A5 qui mettait à la une sans peur à Anfield. Il fait connaître que Zinedine Zidane qui fait connaître que l'équipe là toujours unie en face à difficulté. Real de Madrid qui a gagné 3 goals à 1 dans le match aller, mais définitivement aujourd'hui à l'Ipal West qui a joué à qualification là pour les demi-finales. Mais après tout quitter mes amis, vous jouez pour aller dans les commentaires là, mettez qui est-ce qui a marqué goal, qui équipe qui a gagné et combien de matchs il a fini.
Mon qui jeune réponse en premier à la vienne 500 gourdes sous mon cash ou du moins ça pour qu'à faire un 1000 cadeaux en Haïti comme mini téléphone. C'était un gros plaisir pour nous de porter vidéo ça pour mes amis. Pas oublier sur mes travails ça. Vous voulez encourager nous mes amis, partager tout côté sur Facebook, sur WhatsApp, tout groupe pour gagner. C'est la seule façon qu'à aider nous plus loin que possible. Quant à pour nous même, n'abdou à la prochaine vidéo. Que bon Dieu bénisse. Pas oublier préparer nous pour tout qui ça sont pas qui essentiel. Non pas M.C. Meilleur Jean Albert.